Bonjour tout le monde. Bonjour Bandr, ça va bien? Merci. Très bien. Alors Bandr, aujourd'hui c'est le mercredi, le 25 novembre 2020. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une petite révision. Donc aujourd'hui on va commencer à faire des petites révisions. Comme ça, d'ici la semaine prochaine ou bien la semaine d'après, on aura toute la révision pour pour toutes les unités, d'accord? Sultan Mansour n'est pas en grade 5. Good morning, sir. Good morning, Sultan. Mister Salem, Salem, T'es pas en grade Salem, 5. Salem, Salem. Ah, donc Ah. tu es le frère de Sultan, hein? Yes. Ok, alors je vais demander, ou plutôt je vais changer, renommer. Donc c'est Salma, Salma Mansour, c'est bien ça? Yes, sir. Yes. Ok, Salma Mansour, très bien. Ah non, j'ai changé, attends. Renommer Salma Mansour. Salma Mansour. Et là, c'est Bender. Hein? Bender quoi? Yes, sir. He's Bandar Khalid. Bender Khalid. Ok. Mister, I am Bandar Khalid, not Ok. I Salam Mansour. change it, I change it. Alors, s'il vous plaît, les garçons, on prend le livre à page 18. Page 18. Page 18. Page 18, livre d'activité, hein? Activity book. OK? Donc, la première question numéro 8, complète avec tes propres mots. Tes propres mots. C'est-à-dire, you will complete the sentences with your own words. OK? With your own words. Sentences number one. We have Ala. Alors. Le crèmerie. Crèmerie. Vent. Et alors, la première phrase, qui peut nous lire? You got the page, guys? Bender, Imad, Salem, you got the page? Yes, Sir. OK. Yallah. Question, sentences number one. Who can complete the sentences? Me, sir. Yalla. Yes. Mr. Page, what in the book? I said page 18, page 18. Activity book, hein? Activity. Le cahier d'exercice. Yallah. Attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? Au petit déjeuner, ça.
Who can complete? Sentence number one, guys. Alors, si on prend notre livre, qu'est-ce qu'on trouve pour la crèmerie? La crèmerie, qu'est-ce qu'il y a? Hein? D'accord. Plutôt, je vais commencer. Alors, qu'est-ce qu'on vend à la crèmerie? Qu'est-ce qu'on vend à la crèmerie? What can we buy in the crèmerie? Hein? Y'a les garçons. Salim, you said me. You want to answer? Salim. Yes, sir. You said you want to answer the first one, no? Yes, sir. I said. Okay. Y'all are number one. Mr. Can I answer? Yes, please, Bender. The first one. Au $20 et deux pour. Déjà pour commencer, à la quoi? Ici, à la. À la. Yes. Dollar. Non. Alors. I will explain for you. So the first sentence is he want to say in the ta 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 ta, okay, le crémier, so the man who work in the crémier, okay, who le crémier is the person who buy the milk, cheese, etc. Okay, lebna and so on. Okay, so he buy x, y, et z. So here, à la, what we call. What you call the place that he buy the cheese or the milk, etc. Au marché. Non, c'est pas au marché. Ça peut être, mais à la crèmerie. À la crèmerie, le crémier, ici c'est le crémier. Crémier, excusez-moi. Donc, le crémier, voilà. Donc, le crémier, bon. Donc, the first word, guys, wanna be à la crèmerie. Crèmerie. À la crèmerie, le crémier, déjà à la crèmerie, on met full stop. Comment? À la crèmerie, le crémier vend. What he buy? What he buy, le crémier? Et beurre. Beurre. Okay. What does it mean, beurre, guys? What does it mean, beurre? I don't know how to say it in French. You can say it in Arabic, okay? يال الجبن وال لا something that we put in the bread and we eat it sometimes in the breakfast sir yes. Also it begin with the letter B, yeah? Sir, for yes. What? Fromage. No, le fromage, c'est... Le fromage is the cheese. Fromage, cheese. But beurre, you know that that we put it sometimes with the bread. I'm so. Huh? Butter. Butter, good, very good. So,
Le beurre, c'est butter. So we said beurre. Quoi d'autre? Lait. Lait. Pardon? De lait. Alors, beurre, lait. Au café. Ah, les crèmeries vendent des cafés. Alors, beurre, du lait. Beurre, du lait et quoi d'autre? Hein? Le lait, c'est quoi le lait, les garçons? Le lait. What does it mean, le lait? Milk. Milk, good, very good, Bander. So, we said, à la crèmerie, le crémier vend du lait. Alors, je vais commencer, hein? Je vais changer ça pour que ça devienne juste. Hein? Alors, le crémier vend. Hop. Du lait, café. Beurre et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Butter, ok, we said it. Beurre. Baguette. Ah, est-ce que le crémier vend des baguettes? Tarvush Asmari, you know what does it mean, le crémier ou non? Non. Non. Please take your book. Your course book, huh? Your course book, page 23. Le crémier, jamais on voit al-labban, al-labban. Okay? In Arabic, we said al-labban. You got the page? Yes, sir. Good. So, do you see here le crémier? Before the last one, number four, I think. Yes, sir. So the man who what? Who buy milk, butter, cheese? I don't know, labna. Okay. So here okay. We said, du lait, milk, beurre, butter, et quoi? Et des fromages. Et des fromages. OK, les garçons? Fromage. Please take the correction. Huh? In page 18 of your study book. Huh? Activity book, excuse me. Donc, le crémier, plutôt à la crèmerie, le crémier vend du lait, beurre et des fromages. Et des fromages. OK, now, the next one, please. Yes, Selim. Yes, sir. So, the second one, Selim. Le boucher, tu peux lire la phrase, s'il te plaît? Le vent de viande. Lui vend de la viande. Bravo. Donc, le boucher lui vend de la viande. What does it mean, la viande, Selim? What? Meat. La viande. Meat, sir. Pardon? Meat. Good. Donc, de la viande. OK. Yalla, the last one, I will choose Imad. Imad? Are you here, Imad? Yes, sir. Yes, I'm here. Last one. Imad? Yes, Mr. I can't hear. Au petit déjeuner, can you read it? Au petit déjeuner, alors, qu'est-ce qu'il prend, Marc, au petit déjeuner?
Qu'est-ce qu'il prend, Marc, au petit déjeuner? OK. What can eat? What can Mark eat? Or what does Mark eat in the breakfast? In the breakfast, huh? You can take your example, huh? You can take your example. So, if is it you, what do you take in the breakfast? Sir, du café lait. OK, donc du café. Alors, Marc prend ici. Je vais le mettre en rouge. Donc, il prend du café. Quoi d'autre? What else? Du café? Mr. Ndoula. Pardon? Ndoula. Du lait. Du lait. OK, donc du café, du lait, quoi d'autre? Et? Un fromage. Et des fromages, par exemple. Baguette. Alors, donc, du café, du lait, des baguettes, on va l'ajouter, des baguettes et des fromages. Sinon, on a dit aussi quoi? Un coupe, bien un verre du, bien voilà, un verre de jus, un jus d'orange frais. On a dit aussi qu'il peut prendre de la confiture, al-marjoud, de la confiture, du beurre. Des œufs. OK? Œuf, ça veut dire egg, hein? Egg. OK, les garçons? Is it clear, guys? OK. Yes, it's clear. Good. Donc, on a dit au petit déjeuner, Marc prend du café, du lait, des baguettes et des fromages, un jus d'orange frais, de la confiture, du beurre et des œufs. Bien sûr, you can take some example, not all. You can take, for example, two or three examples. Beurre et des cafés et des œufs. Of course, you can write all this example or you can take only two or three examples, OK? OK. Donc, vous pouvez prendre deux ou trois exemples. C'est largement suffisant. Alors, maintenant, on va passer au... Juste un instant. Donc, maintenant, on va passer à la question numéro 9. Question number 9. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Do you remember le passé composé, les garçons? Do you remember it? Not really, Mr. Okay. I will re-explain. Yes, sir. Okay, good. So, wait. Donc, les garçons, on a dit que le passé composé, égal à quoi? Égal à un sujet, for example, we said je ou bien tu, OK? Ça, c'est un sujet, hein? Un sujet. So, I will insert it. Insert, shop. Donc, un sujet plus quoi? Le participe passé. Participe passé. Alors, le participe passé, les garçons, est-ce que... Do you remember what is le participe passé? Ah, excuse, mais il y a un nom, le participe passé. Mais avant le participe passé, il y a l'auxiliaire. Donc, auxiliaire. Auxiliaire. Non, ça peut être...
être ou avoir. OK? Donc, ça peut être être ou bien avoir. Do you remember le participe passé, les garçons, l'auxiliaire être ou bien avoir? Tu. Alors, tu, dans le verbe être, pour le verbe être, avec tu, qu'est-ce qu'on dit? Tu es. Ou bien, tu as. OK? Donc, soit tu es, soit tu as. So, you have to use. You have to use. Et, or, a. And what else here? Place. Le participe passé. Le participe passé du verbe. For example, here. For example, here. We will choose, for example, le verbe manger et le verbe partir. Hein? Donc, here. Voilà. So, ici, si on a par exemple le verbe, alors tu es parti, tu as mangé. Alors, on va, exemple, le verbe partir. Donc, partir. Ça fait partie. Ça, c'est pour le verbe, hein, partir. Ou bien manger pour le verbe manger. واضحة يا شباب ولا لا؟ واضحة أستاذ. يعني عنا un sujet, for example, tu, je, nous, vous, il, elle, ok? Et par la suite, on a un auxiliaire. Auxiliaire, être, ou bien l'auxiliaire, avoir. يعني هنا تصريف الفعل être, ou bien تصريف الفعل avoir. اللي هو je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, ou bien j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc ici, on a pris l'exemple de tu. Hein? Et, ou elle, a, avec tu, bien sûr, mais ça peut changer. Plus le participe passé, du verbe. Par exemple, ici, pour le verbe partir, to go, le participe passé pour le verbe partir, c'est parti. Donc je dis, le verbe parti, le verbe, plutôt l'auxiliaire être. Donc, juste un instant, je vais faire un petit comme ça. Donc, et ici. Wait. Alors, je vais prendre comme ça, ça peut être clair, hein? So, for example, why I didn't find it certain, yalla, here. Okay. So, tu es parti. Yeah. Insert, watch. Donc, ici, par exemple, tu es parti, on l'utilise avec celle-là, avec parti. Ou manger, par exemple, manger, on l'utilise avec quoi? Avec celle-là. Donc, le verbe manger, on l'utilise avec l'auxiliaire avoir. Et le verbe être, on l'utilise avec l'auxiliaire, le verbe être, on l'utilise avec le verbe parti. Le verbe partir. واضحة. نقول tu es parti. نقول tu as mangé. Mais هذا خلينا نقلب هذا يا. خلينا نقلب. شكون أوضح. نقول tu
Quand tu as mangé, ou alors quand tu es parti. OK? Voilà. Yes, sir. Voilà. Donc, I will. Right. I will make it here. Donc, ici, je vais dire le passé composé. Voilà. Donc, ça devient clair. Hein? Comme ça, c'est clair. Ah, et très bien, le dars. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. On a vous. Et on a le verbe raconter. Qu'est-ce qu'on utilise? Vous. Vous can answer the first one. Vous. Racontez, sir. Vous, quoi? Racontez. Oui, mais et demander, à donner, à chercher, avait raconté avant de commencer. Donc, c'est. Avait raconté. Pourquoi? Parce qu'on a vous, ça c'est un sujet. Avez, l'auxiliaire avoir, vous avez. Et là, le verbe raconter, ER, il confie le participe passé, E, accent aigu. Vous avez raconté. D'accord? Maintenant, l'an dernier, nous, il y en a le verbe commencer, nous. Nous. Nous avons commencé, nous, avant. Nous avons aussi toujours l'auxiliaire avoir. Commencer, c'est le participe passé. Tu. Ce livre dans toute la maison. Tu. Tu as cherché. Tu as cherché. Ce livre dans toute la maison a auxiliaire avoir cherché participe passé. J'ai maintenant. J'ai à mon père et lui dit demander. Donc j'ai demandé. J'ai auxiliaire avoir demandé c'est le participe passé. Sarah il a le verbe donner. Sarah a donné. S'il vous plaît, vous prenez la correction, hein. Please take the correction. OK, les garçons? OK, sir. S'il vous plaît. Yann, rouge à salé, tes chabab. On a rejoint le reste du computer. Thank you, guys. See you next time. Au revoir. Au revoir.